Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de tricoter un nid d'ange de 0 à 6 mois. Montez 51 mailles. Tricoter deux rangs en droit, ce qui est égal à un rang point mousse. Et pour le point mousse, on va glisser comme si on tricotait en maille envers la première maille pour avoir une jolie bordure. Et à chaque début de rang au point mousse, on glisse la première maille envers. Et l'on continue en maille en droit et on fait de même pour le rang suivant. Arrivé à la fin du deuxième rang, on va augmenter une fois trois mailles. Et le troisième rang, on va tricoter en maille en droit au point mousse. Comme on vient de monter trois mailles, la première maille, on la glisse à l'envers, mais en la tricotant. Autrement, la maille se défait. On la tricote envers et les deux suivantes en droit. Continue à tricoter au point mousse jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, on remonte trois mailles. On tricote exactement de la même façon que ce rang. Ensuite, arrivé à la fin du rang, on remonte une fois deux mailles. On tricote de la même façon. À la fin du rang, on continue de monter une fois deux mailles. Au rang suivant, on remonte une fois deux mailles. À la fin du rang, on remonte une fois deux rangs. On continue en augmentant une fois une maille. On tricote jusqu'à la fin du rang et on remonte une fois une maille et on remonte encore une fois une maille de chaque côté, ce qui équivaut à 69 mailles. Arrivé à la fin des augmentations, on va continuer 16 rangs au point damier. Donc la première maille, je la glisse avant, comme si je tricotais une maille en droit. 3 mailles en droit. Quatre mailles envers. Et on recommence, 4 mailles en droit, 4 mailles
en vert. Et à la fin du rang, on termine par 5 mailles en droit. Les trois rangs suivants, on tricote les mailles comme elles se présentent. Au cinquième rang, on tricote inversement, c'est-à-dire on commence par 4 mailles en vert, 4 mailles en droit, et on termine le rang par 5 mailles en vert. Les trois suivants, on les tricote comme les mailles se présentent. Et on recommence encore une fois ces 8 rangs pour obtenir 16 rangs. Ensuite, on va tricoter sur 4 rangs le point ajouré. Au premier rang, là je l'ai tricoté, un rang en droit. Au deuxième rang, un rang en droit. Et le troisième rang en droit. Au quatrième rang, une maille en droit glissée. Une maille jetée, c'est-à-dire on met le fil devant le travail pour faire le jeté, et un surjet simple. On glisse la première maille, on tricote en droit la maille suivante et on rabat la maille glissée. Et on recommence tout le rang. Une maille jetée, un surjet simple. Et l'on recommence ces 4 rangs encore 2 fois, ce qui équivaut à 12 rangs de points ajourés. Ensuite, on va continuer en tricotant au point mousse tous les rangs suivants, en diminuant une maille à une maille du bord tous les 10 rangs, en procédant ainsi. On glisse la première maille en vert et l'on tricote les deux mailles suivantes en maille en droit. Et on procède ainsi à chaque début de rang, tous les 10 rangs. Donc là, je continue le rang au point mousse. Au rang suivant, on tricote une maille glissée en vert, deux mailles ensemble en droit. On continue les rangs au point mousse et arrivé au 11e rang, puis au 21e rang, en diminuant une maille à chaque début de rang. Tricoter 30 rangs en droit, ce qui équivaut à 15 rangs de points mousse, avec diminution tous les 10 rangs au 1er, 11e et 21e rang. Avant de commencer le 31e rang, on va mettre un marqueur après la 29e maille. Au 31e rang,
on tricote une maille glissée en vert, les deux mailles suivantes en droit et les 26 autres mailles en droit. Puis, arrivé à la fin du rang, on va monter 5 mailles pour les boutonnières de l'encolure. Sur les 5 mailles que l'on a ajoutées, on va les tricoter au point ajouré, c'est-à-dire au premier, deuxième et troisième rang, on va les tricoter en droit, en tricotant, en glissant la maille en vert au début du rang, et au quatrième rang, on va glisser une maille en vert, faire un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, et sur les 29 premières mailles, on va les tricoter au point mousse, tout en diminuant au début du rang tous les tirants. Là, j'ai tricoté, une fois que j'ai monté les 5 mailles, un rang qui sera supplémentaire pour tomber au quatrième rang sur l'envers. Un rang, deux rangs, trois rangs. Au quatrième rang, une maille glissée envers. Un jeté, donc je laisse le fil devant pour faire le jeté. Je glisse pour le surjet simple une maille. En droit, la maille suivante. On rabat la maille. On passe le fil devant pour le jeté. Un surjet simple, et le reste des mailles, et l'on continue ainsi en diminuant tous les 10 rangs jusqu'à arriver à 24 mailles de point mousse. Et l'on tricote sur les 29 mailles totales jusqu'à arriver à une hauteur de 44 cm. Pour compter pour les diminutions, tous les 10 rangs, c'est très facile. On compte 1, 2, 3, 4, 5. On diminue 1, 2, 3, 4, 5, on diminue au rang suivant. 1, 2, 3, 4, 5, on diminue 1, 2, 3, et je diminue dans 4 rangs. Arrivé à une hauteur totale de 44 cm, on va diminuer pour les emmanchures. On obtient bien 29 mailles. Là, ce sont les diminutions tous les 10 rangs. Et là, sur 5 mailles, le point ajouré. Les jours serviront
deux boutonnières. Pour les emmanchures, on va diminuer à une maille du bord. C'est-à-dire on glisse la première maille, on diminue une fois trois mailles. Donc, je vais diminuer trois fois une maille en tricotant trois fois deux mailles ensemble. Je continue le rang au point mousse et au point ajouré. Et le rang suivant, je tricote toutes les mailles en droit. Au rang suivant, je diminue une fois deux mailles, je glisse la première maille en vert et je tricote deux fois deux mailles ensemble. Je continue mon rang et au rang suivant, je tricote toutes les mailles en droit. Au rang suivant, comme on diminue trois fois une maille, je vais diminuer sur un rang une maille en tricotant une fois deux mailles ensemble et je recommence encore deux rangs de la même façon et j'obtiens au total 21 mailles après toutes les diminutions. Montez le même nombre de mailles, c'est-à-dire 51 mailles. Faire le même point que le devant, point damier, point ajouré, point damier. Ensuite, diminuer comme le devant sur chaque côté une maille. Et l'on arrive à 53 mailles. Et l'on ne va pas diviser le travail en deux. On va tricoter à la même hauteur que le devant pour les emmanchures. On diminue le même nombre de mailles à une maille du bord.
arriver à 55 cm de hauteur totale, on va rabattre les 17 mailles centrales pour l'encolure et tricoter 3 cm comme le dos sur les 10 mailles pour les épaules et rabattre sur l'envers les mailles à 3 cm. Et l'encolure, la diminution se fait aussi sur l'envers, comme si on travaillait au point mousse, mais en rabattant les mailles, pour avoir le même point que le point mousse. Coudre sur l'envers le bas, les côtés et les épaules à point arrière.